Allez, on parle de Apple TV+. Alors, je vous rappelle, moi, comme j'ai acheté un iPhone, j'avais acheté un iPad, mais je voulais pas, parce que leur offre gratuite, là, machin, et tout. J'avais acheté, donc du coup, j'ai le iPhone 14 Pro Max, et il t'offre 3 mois d'Apple TV. Je me suis dit, c'est quand même la bonne occasion pour essayer. J'ai quand même un iPhone, un iPad Pro, un vieux iPad Pro, quoi. Un MacBook, donc là, Pro et un nouveau. Et sur ma télé, même télé Samsung, tu mets Apple TV, tu scannes, il te donne un QR code, tu scannes avec ton téléphone, ça marche sur la télé, c'est trop bien. Je me suis dit, ça valait quand même le coup d'essayer pendant 3 mois de regarder un petit peu le contenu de Apple TV+. Et il y aura quelque chose sur lequel je serais assez d'accord avec Merej, s'il y en a qui regardent, c'est que le contenu d'Apple TV+ est aussi quali que le contenu de HBO. Le HBO d'avant, hein, qui vous faisait des Game of Thrones, c'est-à-dire que tous les formats qui sont proposés sont quali. Ce qui n'est pas du tout le cas de Netflix, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs, mais il y a la moitié, 90%, où ça n'a aucun intérêt. Toi, même le dernier film avec Jamie G. Foxx, là, où c'est les vampires, machin, ils clonent les gens et tout, enfin... Il y a des têtes d'affiche, mais voilà, on verra que s'il y a un ou deux ou trois trucs par mois qui vraiment te donnent vraiment envie de regarder, c'est le grand maximum. Alors que sur Apple TV+, bah, les trucs sont quand même plutôt quali. Bon, Hijack, bon, j'ai pas suivi, mais c'est pas mal. L'autre avec le psychopathe, là, avec Spider-Man, c'est bien. Il y a pas mal de produits, de films. Il y a pas mal de films avec Tom Hanks qui sont pas exceptionnels, mais qui sont bien. Et c'est là qu'on pourrait se dire... Alors, au début, je pense qu'on a tous au moins une fois dans sa vie piraté... En mode mytho, bien évidemment. On a tous au moins dans sa vie une fois piraté. Et quand on est tous en train de se dire, oui, mais il n'y a pas d'offre complète légale pour pouvoir concurrencer ça. Alors, oui et non, il y a plein d'offres, mais il y en a beaucoup trop. Et si on achète un gars, Apple TV+, ça coûte que 7 balles par mois. 7 balles par mois, je me dis, si je peux regarder au moins 7 trucs par mois, ça fait 1 balle par épisode, on va dire. Ça permet de dire, je contribue au développement de trucs, je pirate pas trop... Mais je regarde quand même et je contribue au financement et ça peut être quand même plutôt intéressant. Voilà. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi c'est pas mal. Moi je suis le truc avec Spider-Man, donc c'est un toutes les semaines. Il y a Hijack, c'est également un toutes les semaines. Donc je peux au moins regarder plus des anciens films. Il y a pas mal de trucs que je suis tombé dessus. Je me suis dit, ça a l'air pas mal, il y a des trucs super sympas et tout. Il y avait celui avec Will Smith aussi, là, quand il a enchaîné. Bon, après, il y a pas mal de trucs, voilà. Et tu te dis, bah tout compte fait, est-ce que je peux regarder au moins 8 trucs par mois? Bah oui, facile. Donc ça vaut le coup de payer. Donc là, je suis arrivé à la fin de mes 3 mois, et c'est temps de me dire, ouais, machin, je paye, mais qu'est-ce que nous propose Apple? Et en fait, Apple, alors, moi, je paye Spotify, parce que pareil, Spotify, pour moi, ça a été la révolution. Pendant un moment, c'était non, non, non. Puis après, j'ai commencé à essayer, puis je me suis dit, quand même, pour 10 balles par mois, t'as un... Tous les albums qui sortent, ils sont sur Spotify, tu peux les écouter, les réécouter, faire des playlists, mettre des mix, machin et tout. C'est incroyable, c'est incroyablement bien. Et quelque part, ça permet d'avoir une solution où tu payes pour écouter de la musique, mais je veux dire, le dernier Seth Gecko sort, comment je l'écoute? Je peux pas acheter de galette parce que moi, en plus, j'habite en Asie, donc je peux pas acheter. Sur Internet, le acheter pour le télécharger, mais après, faut le stocker, mais je vais pas écouter que ça non plus, donc il m'en faudrait plein, une grosse playlist. Et là, je me dis que Spotify, c'est, pour moi... C'est l'idéal. Alors certes, la musique n'est pas d'une qualité incroyable parce qu'elle est un peu compressée et tout, mais quelque part, ça fonctionne bien. Donc, le bilan était de dire, bon, ben moi, je paye Spotify 10€ par mois et si je voulais prendre Apple TV+, renouvelé, ça me coûtait 16€ par mois, voire 17 balles par mois. Quand on regarde chez Apple, et si vous intéressez un petit peu, par exemple comme moi, parce que moi, j'ai du Apple, mais tous leurs services ne m'intéressent pas trop, ils ont une offre qui est à 16,95, ce qui correspond à mes 10 balles de Spotify et à mes 7 balles de Apple TV. Dedans, on a quoi? On a iCloud 50 gigas. C'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Ça permet les bloc-notes, les machins. Bon, moi, j'ai un téléphone d'un tera, donc pour le cloud, pas mal. Mais tu peux sauvegarder que certaines choses sur le cloud et tout. Ça peut être intéressant. Maintenant, tu peux sauvegarder que le système et les applications et dire photo, machin, je m'en fous, voilà. Apple TV Plus, 6,99€. C'est ce que je paye et ce que je vais continuer à payer pas mal. Apple Music. Et c'est là où est un petit peu la différence. Ça veut dire que là où moi je paye Spotify, et ben du coup, tu peux avoir l'équivalent de Apple Music. Même prix. Alors après, j'ai commencé à regarder. C'est vrai que c'est pas aussi... Il y a un peu moins. Il y a un peu moins que sur Spotify. Alors, j'ai pas encore fait l'offre d'essai. Je pense que je la ferai et on en parlera peut-être ensemble. Non, on en parle tout à l'heure, non. Voilà. Bon, s'il y en a qui ont Apple Music, dites-moi, voilà, est-ce que c'est bien, aussi bien, mieux, nanana, et est-ce que ça peut avoir le coup? Alors ensuite, après, il y a Apple Arcade. Apple Arcade, ça vous permet d'avoir plein de petits jeux en streaming ou sur le cloud et tout.
c'est pas ma solution première, mais est-ce qu'avec un iPad, on pourrait éventuellement mettre un truc et que ça se met sur la télé et tout? Je ne sais pas. Et ce que j'ai découvert tout à l'heure, c'est que en plus, il y a Apple Fitness. Voilà. Pour ceux qui voudraient faire voilà tout ce qu'il y a. Le cloud, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade et Apple Fitness. Pour ceux qui... En fait, je voulais le prendre parce qu'il y avait un essai gratuit en disant j'ai quand même l'Apple Watch, j'ai quand même le iPhone, j'ai quand même une télé, tu sais, faire un peu du support en mode tout YouTube, tu vois, devant la télé. S'il n'y avait pas un truc, c'est quoi, c'est un truc de téléphone, tu sais, où t'appelais, c'était quoi les deux? Je ne me rappelle plus. S'il y en a qui trouvent, mettez en description. Et en fait, quand on regarde l'offre, on se dit, bah, si Apple Music peut remplacer mon Spotify, ça vaut carrément le coup de prendre ça. Parce que du coup, j'aurai 50 gigas de cloud Apple, c'est quand même bien pratique parce que tous les appareils sont connectés entre eux, c'est bien. Si la musique, ça peut faire, c'est bien. Apple TV+, je pense que je vais le garder parce que moi, je trouve qu'il y a assez de contenu tous les mois pour dire, de même si chaque série me coûte 1 euro, j'ai l'impression de payer un petit peu. Et puis, même si à côté, par inadvertance, ça me venait de télécharger un truc qui n'est pas légal, je me dis, voilà, je contribue un peu. Apple Arcade, ça pourrait être bien. 200 petits jeux captivants, faut voir. Ça éviterait d'installer plein de merde sur le téléphone pour les enlever en se rendant compte que c'est nul. Et Apple Fitness, ça permettrait peut-être de s'y remettre sérieusement en disant, je fais ma petite séance de fitness tout au YouTube, on peut adapter au truc. En plus, avec la montre, il paraît que ça va encore mieux. Moi, je trouve que l'offre est très séduisante. Quoi qu'on en dise, ouais, mais Apple, machin... Bah, l'offre, elle est quand même incroyable. Alors après, c'est là où je vais poser la question. Est-ce que vous connaissez 118-218, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Apple Music et est-ce qu'il pourrait le mettre éventuellement en confrontation avec Spotify? Est-ce que c'est aussi bien, mieux? Est-ce qu'il y a cette Gecko, Relsan, Vald, un peu de musique ou des fois on parle d'un artiste, je le cherche dessus? Tout, enfin c'était un peu, si vous en avez qui ont vu le film sur Netflix, quoi que tu cherches sur Netflix, ils ont. Ce qui est incroyable, c'est quoi que tu cherches, ils ont. C'est fou. Est-ce que Apple Music c'est bien ou est-ce qu'il faut faire des concessions sachant que l'offre elle est quand même assez intéressante mais que par rapport à Spotify c'est un peu moins bien? C'est là que j'aimerais bien avoir vos avis pour que vous me disiez ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé Apple Music, si vous avez déjà comparé avec Spotify, et comme ça moi ça me permettra de prendre une décision en disant l'offre elle est bien quoi, l'offre elle est pas mal. Ça permettrait, de temps en temps, les petits jeux arcade, c'est bien, ça éviterait, parce que Asphalt, bon, c'est un peu relou. S'il y a des jeux de voitures sympas, le cloud, et puis tout YouTube, voilà, le mode fitness, tout. Si tout était inclus dedans, c'est bien, et je suis convaincu que s'ils l'offrent, si eux, ils viennent à rajouter des trucs sympas, on parle de l'IA, des choses comme ça, ils pourraient les inclure dans cette formule-là, pas besoin de prendre une famille parce que je suis tout seul, hein, mais un mode individuel et égoïste m'irait très bien. Voilà. Et ainsi se termine ce deuxième sujet. Voilà. Et après, on parlera des vidéos de la semaine. Je vais reprendre un peu vos commentaires comme ça. Et puis, pendant les 2 minutes qui nous restent, j'ai l'impression que l'émission est rythmée de dingue. Tipeee, bonjour à Faucheur. Bonjour à François. Ministre, voilà. Mais non, GLG. Mousse, c'est au nom de la rose. C'est M-O-U-S. Au nom de la rose. Ouais, c'est ça, ouais, mais je me rappelle. Bonjour à Thierry également. ChatGPT est comme Cortana. C'est une façon de tout savoir sur vous. J'ai vu que ça posait des questions sur vous par cœur avant même que vous demandiez quelque chose. Quelle bêtise. Parce qu'encore une fois, c'est là où la compréhension est. Si tu le prends comme un outil et que tu lui donnes des tâches à faire, il te demande rien. Au contraire. Il part en freestyle, tu dis voilà, tu es ça, tu fais ça, comme ça, petite description, méta, nananana, voilà le texte, en anglais, en chinois, en thaïlandais, maintenant traduit, 400 mots et tout. Tu lui donnes un ordre, il le fait trop bien. Voilà. Après, si tu commences à apprendre à croire que c'est ta petite copine ou ton meilleur ami, là forcément, comment tu vas, gna gna gna, et ce truc, et comment on fait, voilà, hein, ah mais j'ai des petits boutons, et voilà, après on part dans un truc et tout. Mais voilà, prenez-le comme une intelligence, un outil. Et moi, personnellement, je me régale. Et je trouve un temps fou et tout, mais par contre, je discute pas avec lui. Je raconte pas ma vie. Ni à lui, ni à vous, d'ailleurs. C'est fini, ça. Pardon, je m'égare. Revenons-en. Bonsoir également à Fredo. Attends, je regarde les Tipeee. Non, moi, je suis sur un site de partage Apple One. Moi, je suis sur un site de partage Apple One. D'accord, ok. Pour un site de partage Apple One, d'accord. Split, pour les splits. Apple Music a meilleur son que Spotify, mais moins de musique. Ah, ça peut être intéressant pour jouir d'une musique de meilleure qualité. C'est vrai que
Bon, déjà, avec le Bluetooth, on perd, avec la musique, compression, on perd, machin. Alors, c'est mieux que le MP3, mais c'est peut-être pas aussi bien. Donc, ouais, s'il peut y avoir un meilleur son, mais peut-être moins. Mais si je peux retrouver, moi, mes rappeurs préférés, moi, ça fait la blague, hein. Les trucs un peu. C'est vrai que les trucs que j'écoute sur la télé, un peu, tu sais, musique punchy, la EDM et tout, à voir. Je pense que ça mériterait un petit essai. Gratuit. Voilà. Et puis on verra comment on fait.